matin, ma gang! J'espère que vous allez bien. Bon Friday morning. Un matin, j'avais envie de vous montrer mes petits colis en vous parlant. Ma fille est en train de déjeuner. Son, un bol de céréales à la table. Donc, je vais commencer avec mon premier colis. Un colis pour la petite madame. Qui vient de chez Timu. Mais il y a une chose qui ne sera plus pour elle parce qu'elle est rendue trop vieille vu que je l'ai reçue un peu plus tard. Je ne me souviens plus quelle couleur je l'ai pris. C'est une chaise pour bébé que ça va faire pour Laurent. Une chaise de camping. Une chaise comme ça, là, avec des petites lunettes. Là, elle a déjà une paire de lunettes noires. Tous ceux-là sont trop mignons. On va les aimer, je suis sûre. Yep. Prendre une petite photo pour Instagram. La boîte était un peu maganée, mais c'est grave. Au moins, ça vient dans un sac de transport. C'est très miniature. C'est plus pour Amélia. C'est quand même bien fait pareil. Une vitesse comme ça, on dirait une de poupée. Puis on a le on va ouvrir mon autre colis ici. Bat and Buddy. C'est ma commande de savon pour les mains d'automne. Fait que j'ai commandé le Cherry Almond Chug Bread. Ça sent bon. Ça sent le gâteau à la cerise ou amande. Il y a des notes de sablé à la vanille, amande, confit et cerise. T'es belle. Ensuite, le Green Cypress Tray. Ça va faire beau dans la maison. Ça aussi, il sent hyper bon. J'ai fait des bons choix. Ça, il y a des notes de cyprès, eucalyptus et brise de frisquette. Ensuite, Mahogany Apple avec des notes de bois d'acajou rouge, pomme délicieuse. Ça aussi, ça sent bon. Le automne foliage.
Mais pas qu'ils sont bons, non? Mais, ils s'en foutent, ils sont légers. Mais je m'en fous partout. Puis ça, ça a des notes de feuilles fraîches tombées d'un air brumeux et bois de cèdre. Je sais pas si j'aurai des colis aujourd'hui, je penserai pas. À ce soir, j'ai ma rencontre avec mon accompagnante à la naissance. Hier, j'ai passé une magnifique soirée avec les filles. Mais je vais essayer de vous mettre un petit blog en ligne un matin, puis revenir faire quelques recettes. On va aller aussi à l'épicerie tantôt. Je vais aller acheter de la viande, c'est caché, s'il est en spécial, puis tout. Puis peut-être faire un pâté chinois ou des lunchs. Puis me faire une salade pour la semaine prochaine. En tout cas, la semaine prochaine, j'aurai vraiment le temps de faire la cuisine aussi. Je vais faire un carré aux dattes aussi pour mon chéri. On va voir ça. Il fait quand même frais. Fait que moi, je vous laisse et on se parle plus tard. Ciao, la gang!